Hier, gros, en ce moment, je dors trop mal. J'ai dormi, pas cette nuit, mais la nuit d'avant, j'ai dormi 4 heures. Et je pouvais pas me rendormir. J'avais trop d'énergie. Mais c'est pas bon, parce que quand c'est comme ça, quand tu te réveilles et que t'as trop d'énergie, tu sais que ce trop d'énergie va durer 30 minutes. Et après, tu vas t'exploser au sol. Je sais pas si ça vous l'a fait aussi. Si ça vous le fait aussi. Du coup, je raconte l'histoire en entier parce que voilà, j'aime bien mettre un peu de contexte. Et ceux qui vont dire après, j'allais vous faire enculer, je le dis d'avance. Du coup, ouais, en ce moment, je me suis mis un petit émulateur de PS2 et il y a un jeu que j'ai pas fini. Oh la dinguerie. Il y a un jeu que j'ai pas fini en. Quand j'étais petit, c'est Dragon Quest VIII, l'Odyssée du Roi Maudit. Et je sais que ce jeu m'a vraiment marqué parce que c'est un jeu de fou, c'est un des meilleurs RPG. Un des RPG qui m'a laissé le plus de souvenirs. Du coup, ouais, en ce moment, j'ai mis un émulateur PS2, je suis en train de me saigner le jeu là. Et je suis justement en train d'arriver au point où je me suis arrêté quand j'étais petit. Tu vois ce que je veux dire? Bref, il est 9h. De 9h à 10h30, je joue, je commence à être mort. 11h, je vais au lit. Et là, les gars, qu'est-ce qui se passe? Paralysie du sommeil, into cauchemar, ce qui a duré 2 heures. Parce que je me suis réveillé à 13h, mais j'avais. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, il est 17h, c'est impossible, ça a duré trop longtemps. Eh, laissez-moi vous expliquer la paralysie, hein. C'est vraiment une folie. J'étais avec mon masque de sommeil, et je voyais à travers un peu. Donc j'étais paralysé, donc je peux plus bouger, j'ai des hallucinations. Mais là, j'avais vraiment des hallucinations sonores comme j'ai jamais eu. Alors je fais le round et je continue. Mais t'as pas que des hallucinations sonores, t'as des hallucinations physiques un peu. Ah vas-y lui, il a 5 HP, fils de pute. Il a 1 HP, vas-y. Et bref, vous vous souvenez de William, mon coloc? Bah dans ma paralysie, il était dans mon couloir en train de courir. J'entendais papa, papa, il court, il rigole et tout. Et là, il arrive dans ma chambre. Je le sens, hein, parce que j'ai de la virtualisation. J'arrive à savoir qu'il est là. Il monte sur mon lit. Et donc, sur mon lit, je sens des pas. Comme si quelqu'un monte sur ton lit. Mais premier degré, c'est très réaliste. Et il me crie dans mon oreille. Il fait ah! Dans mon oreille. Et c'est réaliste de fou. Vous vous rendez pas compte comment je pouvais vraiment croire qu'il était là. Alors que moi, je sais que c'est impossible. Encore, tu vois, si je savais qu'il avait les clés, j'aurais vraiment pu croire que c'était lui. Mais vraiment, et ça dure genre 2 minutes. Mais les 2 minutes, tu sais, les 2 minutes quand tu souffres, elles sont si longues. Elles m'ont paru si longues. Et moi, je connais les paralysies, tu vois, j'ai dû en faire une cinquantaine dans ma vie, j'en ai fait tellement. Carrément, je sais quand ça arrive, et là, c'est tout à fait logique. Et après, je pars dans un cauchemar. Mais là, je vais vous raconter le cauchemar. Vous allez chier dans votre slip, hein, le cauchemar. C'est vraiment ma phobie ce qui s'est passé. Voilà, partie 1 de la paralysie. C'est dû à quoi la paralysie? Là, c'est quand tu cumules stress, mauvais sommeil. Moi, en général, quand je fais des paralysies, c'est que je fais des siestes l'après-midi, que j'ai mal dormi, que j'ai du stress et manque de sommeil. Voilà, moi, c'est surtout ça les facteurs. Après, je pense qu'il y en a d'autres. Mais ça arrive rarement au hasard, quoi. Et là, ouais, je vous cache pas que les derniers jours. J'ai pas passé des bonnes journées, hein. J'ai eu aucune bonne nouvelle, mais genre je me réveille en mode je réfléchis au sens de la vie. En mode je me dis que je me fais chier, que j'ai pas de passion et tout. Toute la journée je suis comme ça et je sais pas quoi faire. C'est vraiment un sentiment de merde, tu vois. Une sensation de merde. Du coup ça m'a fait très mal dormir vu que j'ai rien branlé de ma journée non plus. Bref. Ça arrive à tout le monde. Et puis du coup, là, le cauchemar. Non, le cauchemar, franchement, je sais pas si j'ai assez d'un Run Wingman pour vous raconter cette connerie. Parce qu'un Run Wingman, je sais que je vais pas mettre les détails. Et il m'a tellement marqué, c'est un cauchemar d'il y a 2 jours. Je m'en souviens encore. Enfin, pas 2 jours, de hier après-midi. Et je pense que dans une semaine, je m'en souviendrai encore. Mais même le rêve que j'ai fait cette nuit, je m'en souviens. C'est trop une folie, hein.
Oh là 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 là. Oh le shoot de con. Nice bro. Alors le cauchemar il commence comment? Le cauchemar il commence tranquille tu vois. Et tu sais les cauchemars quand tu te réveilles tu te dis ouais mais c'était pas si terrible en fait comme situation. Mais dans le cauchemar il y a une ambiance. Bref on est avec mes potes on doit être 30 sur un paquebot de fou. Et on n'a pas de moniteur du coup c'est un de nos potes qui conduit. Déjà irréaliste. De base c'est impossible. Mais bon tu connais les rêves. Tu trouves ça crédible pour des situations de con qui ne peuvent pas arriver dans la vraie vie. Et bref, du coup, ça commence à partir en couille. On commence à rentrer dans des bateaux. Il y en a, il y a des gars, ils commencent à voler de leur ragdoll. Ils volent du bateau jusqu'à ce qu'il reste plus que moi et un pote. Je sais même pas c'est qui ce pote en fait. Je pense que c'est un pote inventé parce que dans la vraie vie, je sais pas s'il existe. Bref. Bref. Et du coup, je suis obligé de prendre les commandes du bateau. Et là, dans le rêve, il se passe un truc. J'ai une vue à la troisième personne du haut du bateau. Et c'est comme dans un jeu vidéo. Le bateau, il va à fond la caisse. Il y a des bateaux partout. Et là, je rentre dans tout le monde. Mais dans le rêve, j'ai l'impression que c'est la vraie vie. Du coup, je percute des bateaux. Il y a plein de gens qui doivent mourir et tout. Genre, je fais une catastrophe. Je fais une dinguerie. Et puis une fois qu'on arrive, on dit voilà, on a fait une dinguerie, on va être recherché, il faut qu'on se cache. Vraiment c'est effrayant, faut qu'on se cache. Et là tous les gens dans la rue, instant, ils nous reconnaissent, ils disent mais c'est toi qui recherchais. Eh c'est pas toi le gars qui a fait des bails avec le. Qui a fait des dingueries avec le bateau. Vraiment, il y a des gens, ils nous arrêtent dans la rue pour nous dire ça. Ouais, je stresse. Là dans ma tête en fait il se passe des choses horribles, genre je vais finir ma vie en prison, c'est fini. Tout ce que j'ai construit sur YouTube et tout c'était pour rien parce que je vais être en prison à perpétuité avec mon pote. Et en plus j'ai pété plein de bateaux, je pourrais jamais les rembourser, c'est impossible. Et je dis à mon pote mais comment on a pu faire ça? Et tu vois dans la vraie vie si ça arrive, bah en fait je saurais même pas si on serait coupable. Parce que en fait le gars qui est censé conduire le bateau c'est pas moi. C'est lui sa faute. Mais dans le rêve, à ce moment, moi j'ai l'impression que c'est moi qui ai fait la faute. Tu vois la folie? Il a incroyable ton cauchemar, hein, frérot, c'était pas drôle dans ma tête. Et du coup là, je dis, ouais, vas-y, tout le monde sait, c'est bon, on va se rendre à la police. Parce qu'il y a des gens, ils commencent à nous suivre avec des couteaux dans la rue. Frérot, il y a des gens, ils nous suivent dans la rue. Et nous, tout le monde nous regarde, c'est trop bizarre. Et ils te suivent, tu dis, tu me suis? Ils font, non. Vraiment, je m'en souviens trop parce que ça m'a choqué. Et il y a un... Attends, parce qu'il y a une dinguerie à la fin qui n'a aucun sens, hein, vous allez voir. Donc là, on se rend à la police. Enfin, pas à la police, on se rend à nos potes. Un groupe de potes. Tout le monde nous insulte déjà. Il n'y a personne qui est de notre côté. Et moi, je fais que de mentir. Je dis, ouais, mais il n'y avait personne qui conduisait. Que des mensonges. Et mon pote, il était encore plus pessimiste que moi parce qu'il voulait pas mentir. Oh, je m'en souviens trop. Et tout le monde s'en battait les couilles. Et à la fin du rêve, en gros, on part en boîte. Avec tout le monde. Je suis sur le point d'être jugé. Mais tous les gens qui ont la haine contre moi, je pars en boîte avec eux. Voilà ce qui se passe à la fin du rêve. C'est choquant. Et moi, je suis dans la... Je suis dans le coin avec mon gars avec qui on a fini sur le bateau et on se dit et on est triste, on se dit mais on fait quoi en boîte là? Pourquoi on est en boîte? Ah je lui dis ah gros j'arrive pas à m'amuser, tu m'étonnes. Tu vas aller en tôle mon ref. Comment ça j'arrive pas à m'amuser? Paralysie du sommeil, into le bateau, into Smeinras. Ah vraiment c'est trop chelou hein. J'ai jamais fait un cauchemar aussi louche. Et quand je me suis réveillé, je vous dis pas comment j'étais heureux de pas aller en prison. Parce que là, dans le rêve, j'étais que en train de mentir. Hein. Je disais que j'avais pas pris le volant alors que je me suis fait plaisir et carrément, j'appuyais sur le champignon. Trop une folie. Non, Green, c'est un rêve. Hein. Imagine, tu prends ça out of context, je vais en prison. Premier degré. Hein. Allez, flash!
Nice mon gars. Bon bah voilà. Hein. Le wingman, voilà quoi. J'ai juste raconté l'anecdote. Très cool. Bye bye. Bye, thank you. Allez, ouvre-toi là. Carnet de bord, streams. Alors on est comment? 17 avril. Bah n'importe quoi, on est le 19.